Allez, salut, salut, voilà les gars, c'est toujours moi le Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc comme je disais, aujourd'hui nous sommes là pour ce que j'avais dit hier. Voilà, c'est pour aider un peu ceux qui ne maîtrisent pas vraiment à pouvoir postuler. Voilà, maintenant si vous avez des soucis, vous pouvez m'écrire inbox pour que on puisse essayer de vous aider. Donc, comme ici vous le voyez, c'est la bourse Open Doors de la Russie et je vous ai déjà dit que c'est la deuxième plus la bourse la plus vue ici en Russie. Alors, si vous avez l'opportunité de pouvoir postuler pour le master et le doctorat, pour ceux qui veulent faire le master et le doctorat, voilà, ça sera une grande opportunité pour vous. La date limite, c'est le 10 décembre. Voilà, alors essayez de pouvoir postuler parce que c'est juste le premier tour et après cela il y aura un deuxième tour et un troisième tour. Voilà, donc pour pouvoir postuler c'est très simple, je vous avais déjà dit auparavant, vous devez d'abord vous inscrire sur le site. Voilà, et pour s'inscrire sur le site c'est très simple aussi, vous n'avez qu'à cliquer ici participer et vous allez voir, vous allez vous inscrire sur le site et commencer à pouvoir énumérer ou bien upload vos dossiers sur le site. Voilà, et en ce qui concerne les facultés, c'est juste un rappel un peu rapidement. Donc, en ce qui concerne les facultés, voilà. Les facultés sont en grande partie en sciences. Donc, voilà. Mais il y a un peu de littérature, c'est-à-dire business et management. Voilà, c'est des éléments qui concernent un peu la littérature. Et linguistique aussi, et puis modern language. Et il y a éducation. Sinon, à part cela, il y a 14 facultés. Donc c'est à vous maintenant de choisir votre faculté, ce qui vous intéresse. Si votre faculté n'est pas ici, alors ce sera, vous pouvez prendre l'équivalent, on ne sait jamais. Donc les gars, on va essayer de postuler comme ça pour pouvoir vous aider un peu et à finir. Donc ici par exemple comme ça, vous allez cliquer sur participer. Voilà, on va cliquer sur participer. Ils vont nous rediriger vers la plateforme où nous devons nous enregistrer. Donc il y a deux possibilités, soit vous venez étudier en anglais ou en russe, vous comprenez. Donc j'ai déjà dit en première position que ceux qui viennent par exemple pour étudier en anglais comme ça, vous serez obligé de présenter un certificat de langue en anglais. Voilà, et ceux si vous n'avez pas de certificat de langue, alors vous allez étudier forcément en russe. Voilà, c'est ce que tout le monde fait ici. Vous allez étudier en russe parce que il y aura une année de langue russe pour vous, voilà, avant de pouvoir commencer à utiliser la bourse. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est à vous de voir. Donc nous qui n'avons pas le certificat de langue, on va choisir quoi? Russe. Voilà. Et ici, par exemple, vous allez choisir votre pays, le pays d'origine. Le pays d'origine, ça sera quoi? Si moi je viens de la Côte d'Ivoire, je vais chercher Côte d'Ivoire. Si c'est en anglais, je vais mettre Ivory Coast, donc c'est pas un souci. Voilà. Donc, si Côte d'Ivoire n'est pas là, on va essayer de voir Ivory Coast. On voit un peu. Un instant. Donc, les gars, n'oubliez pas, essayez de postuler, vous n'avez rien à perdre. Je crois que ça va au contraire vous arranger. Voilà. Donc, Côte d'Ivoire. Ok. Et après cela, votre first name, regardez bien sur votre passeport. Voilà, votre nom s'y trouve. Vous allez mettre votre nom ici, votre prénom et aussi votre prénom. Donc, ici, moi je vais choisir un nom au hasard. Ludovic. Ludovic. Ok, la date de naissance, étant donné que je viens par exemple pour un master, je vais mettre alors 2003, que je suis né en 2003 ou bien 2002. Voilà, donc ici, birthday 2002 en février le 13. Le 13 février 2002. Et le genre, mal, ok. Le numéro de téléphone, ils ont déjà mis le plus, donc plus 225, plus 225,
59, 43, 12, 44. Ok, ce qui est le plus important, c'est ici, c'est le mail. Voilà, donc ici, je vais mettre le mail là, que j'utilise maintenant pour les vidéos. Donc, mon boss. Ok, j'ai choisi un mot de passe. Si vous voulez, vous prenez ce mot de passe qui est là, voilà. Ou bien aussi, vous pouvez par exemple choisir votre mot de passe, mais seulement il suffit de voir, de respecter ces caractères. Ils ont dit 6 caractères. Donc les 6 caractères, vous pouvez prendre majuscule, minuscule, vous pouvez prendre arrobase, vous pouvez prendre voilà. Donc vous savez déjà ce que ça signifie. Donc je vais prendre au moins, doit contenir au moins 6 caractères. Donc je vais prendre par exemple premier, d'abord majuscule, après la majuscule j'enlève, je mets maintenant minuscule, après je mets arrobase, voilà, je mets des chiffres. Ok, j'ai utilisé 3 caractères. J'ai utilisé majuscule, minuscule, j'ai utilisé arrobase, j'ai utilisé des chiffres. Ok, voyons voir ce que ça va donner. Je reprends ici. Ok, maintenant ici, participation, subject area, vous allez choisir maintenant la faculté que vous voulez faire. Moi, je fais un computer science, voilà, un data science, donc je vais cliquer là. Voilà, on me demande si je viens pour le master's ou doctorat. Donc je vais dire que je viens pour le master's. Donc ajouter. Donc une fois que vous finissez, qu'est-ce que vous faites ici? I agree to the term of processing personal data according to Russian Federation legislation. Donc ici c'est bon, I will to receive the newsletter. Ok, donc je mets sign up. S'il y a un souci, il va me dire qu'il y a un souci sur mon mot de passe, voilà. Mais s'il n'y a pas de souci, alors ok, you are successful. Donc je vais enregistrer ici. You are successful registering an email was sent to a specific address. Donc ils vont envoyer, comme je vous avais dit dans la première vidéo, ils vont vous envoyer un mail, et sur ce mail là vous allez aller confirmer votre email. Et ensuite poursuivre pour pouvoir chercher à avoir à pouvoir postuler à la bourse. Voilà, donc ils vont vous rediriger vers une autre plateforme pour pouvoir postuler à la bourse. Voilà, donc je vais aller directement voir dans mon mail ce qu'ils ont envoyé. Donc je vais dans mon mail instant. Donc ici, suivez très bien, c'est pas compliqué, voilà, vous pouvez le faire. Donc ici je viens là, j'ai un nouveau message, voici le message qui est là, de Open Doors Russian Scholarship Project Association Global University. Donc par exemple registration Novaya Postgres. Donc ici je vais maintenant valider, ça dit mon mot de passe. Donc ils ont mis ici Zrazvuti, vous parlez de l'état option, tac tac, votre adresse bol expose va prêt. Donc ici il y a par exemple une registration périodique par Slavushka. Donc vous pouvez cliquer là pour pouvoir faire quoi, pour pouvoir confirmer votre enregistrement. Voilà, donc vous cliquez là pour pouvoir confirmer votre enregistrement. Ici aussi on dit quoi, vous tâchez mon jeu de vinisti code il y a par exemple une registration dans la mission, tac. Donc vous pouvez aussi cliquer là pour pouvoir recevoir le code. Voilà, mais on va cliquer là en termes de PHP. Donc si je clique là par exemple comme ça, ça va me renvoyer ici registration post-vaccin ou special. Donc ici on vous dit simplement que vous avez validé votre
votre email. Voilà, maintenant vous pouvez commencer à travailler. Vous voyez que tout est venu en russe. Voilà, tout est venu en russe, mais je vais mettre en anglais, comme ça vous allez pouvoir vous retrouver. Voilà, donc ici vous voyez l'enregistrement de l'utilisateur a été déjà confirmé. Mon browser a mis ça en français pour vous, donc Dieu merci. Alors, donc on a fini de confirmer. Maintenant on va aller sur notre profil. Voilà, aller à la page du profil. On va aller sur notre profil et puis on va remplir les coordonnées. Vous voyez, moi j'avais déjà enregistré, donc il suffit juste de venir là et de rentrer mon mot de passe et c'est tout. Donc ici mon mot de passe, n'oubliez pas votre mot de passe, c'est très important. Un instant. Ok, donc je prends connexion. S'il y a une erreur, il me dit, voilà. On me dit qu'il y a une erreur sur mon mot de passe. Je vais voir. Je vais reprendre le mot de passe. Ok, donc vous comprenez, c'est mon profil qui est là. Voilà, maintenant je vais essayer de faire quoi? Je vais essayer de remplir ce profil là. Vous voyez ici, tout est là, Ludovic, Côte d'Ivoire, mot de passe. Voilà, maintenant à partir de cet instant là, domaine auquel vous avez choisi, parce que votre pour choisir la filière doctorale, cochez là. Bon, ça c'est pas un problème. Moi, voici mon domaine qui est là. Donc ici, je vais ici commencer à faire quoi? À pouvoir maintenant remplir mes coordonnées. Voilà, éducation, veuillez renseigner les détails de votre formation. Ici, université prioritaire. Vous allez choisir les universités qu'ils ont déjà mis là-bas. Ici, les universités sont déjà ici. Vous allez choisir et après, je vais commencer à remplir mon portefeuille. Donc ici, voici les universités qui sont là. Vous avez choisi, il a fait une première vidéo, je vous ai montré un peu ces universités, donc les voilà. Et je vous ai dit un peu, si vous voulez avoir ou vous ne savez pas quelle est l'université favorable, vous pouvez vérifier ces universités-là sur Google. Voilà, il y aura toutes les facultés que vous voulez, donc c'est un peu ça. Donc pour le moment, je vais couper cette vidéo, je vais faire une deuxième vidéo pour vous montrer un peu comment est-ce qu'il faut remplir tous les éléments pour pouvoir postuler normalement. Donc les gars, à tout à l'heure et à plus.